Il existe un jeu homonyme, mais sans les points qui séparent le titre. Voilà, Fear. On va lancer, je sais pas ce que ça vaut. Oula. J'espère que je vais pas trop galérer. Moi, je vais miammer. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne app, Eloguir. Merci d'être passé. Bon courage pour la suite. Fais gaffe de pas choper la mort. C'est vrai que ça va être terrible cet hiver en France. Au niveau, ouais, de faire des économies. Bon courage pour la suite, Eloguir. Ciao, ciao. Ah, c'est vraiment une triste réalité, ça. Aïe, 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 aïe. Pourvu qu'on n'ait pas un hiver trop froid. Oula, installation de Microsoft DirectX. Là, je vous ai encore mis le retour de mon écran. Donc, vous voyez tout. Je pense que ça va être un 16/9e classique. Ouais, pour le. Ah, je vais peut-être couper la musique. Parce que. Enfin, j'attends que le jeu se lance. Parce que le jeu va forcément avoir sa musique d'ambiance. Tu as trois trucs dans ton enveloppe sur Steam. Oui, je les regarde de temps en temps. Ouais, je regarde pas toujours. À une époque, j'en avais 30 et je regardais pas. C'est, pour moi, c'est accessoire. Généralement, c'est des trucs que j'ai débloqués. C'est dans les jeux, t'as des petits bonus. Ah, ça y est, ça se lance. Je vais couper la zic d'un instant à l'autre. Oula, ça me fait sauter mon écran comme si j'étais sur Half-Life. Alors, attends. Merde, j'ai fait une bêtise. Oula, 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 oula. Alors. Unable to restore vidéo mode. Ok, j'ai fait crasher le jeu, c'est ça commence. Il a pas aimé que je bascule pour couper la musique. Mais bon, là au moins il se lance direct. C'est un mal pour un bien, pourrait-on dire. Non, ce serait du 4 tiers, Fear. Visiblement par défaut, c'est du 4 tiers. Ah! Ça me fait rêver. L'autre, mon indicateur d'image par seconde qui me dit 550 images secondes. Que nous allons faire, c'est ça. C'est ça. Il faut que je change de facto le titre et ça va devenir Fear. Non, c'est pas comme ça, Fear. Ouh là 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 là, j'ai écrit n'importe quoi. J'ai même démarré avec un point. Le truc. Ah oui, il prend pas les points. Oui, bon, c'est pas grave. C'est rigolo comme ça, le truc. Alors. Va dans les options graphiques et avant de dire 4 tiers ou 16 neuvième. Oui, bah alors attends, c'est pas tout d'aller dans les options graphiques, mais là je vais rebasculer. On va voir s'il accepte que je revienne. Ah, ça va, là il accepte. Alors, détection de la mémoire vidéo. Quoi, tu veux du 16/9e ou tu veux du 4 tiers d'une scène?
Alors, le jeu n'est pas... Ah non, il me dit le jeu est pas optimisé pour cette résolution. Donc autant dire qu'il est contrarié. Ouais, il est contrarié, ça va pas. Il me dit clairement. Alors attends, le retour, j'ai quoi? Oui, bah ça a l'air pas mal mon réglage. Le son, faut pas que ce soit trop fort non plus. Alors dites-moi si ça hurle, si... parce que comme j'ai pas mon retour. Performance. Ouais. Ok. Ah, les contrôles. Configurer les contrôles. Là, ça va être chaud. Alors, je suis content du rendu, il est pas mal. Mon souci est que maintenant, j'aimerais voir le chat. Oula, attends, j'ai plusieurs trucs qui vont pas. J'aimerais voir le chat quand je joue. Sinon, je risque de vous mettre des vents pas possibles. Voilà. Alors, contrôle mouvement. Avant, arrière. Gauche, droite. Tac, 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 tac. Sauter, ce serait ça. Se blesser, ce sera ça. Bah ouais, le fait de... Ouais, de basculer entre le fait de courir et de marcher, oui, ça peut être pas mal. Si je fais ça, il est content. Il n'est pas content non plus. Use medikit. Oula. Grenade. Use. Alt. Reload, ce sera le bouton de la centrale de la souris. Aim zoom, bah, ça va être le... Ah. Bonne question. Je vais mettre ça, je crois. Slow motion, flashlight. Oui, bah la lumière. Oui, bah. Alors, inventaire. Clac, 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 clac. Drop, weapon, select, grenade, grenade, use medikit. Ah oui, je pense que pour la survie, l'usage des soins, c'est... Wow. Status, coordonnées signées. Je sais pas si je peux. Voilà. Oui, ça c'est pour le multi. Je vais pas faire de multi. Alors. Comment ça les armes? Oula, oui, il y a de ces trucs. Bah, je vais les laisser par défaut parce que. Le jeu. Je sais plus. Je peux pas. Ah oui, sous-titres. Ça peut aider à la compréhension. Surtout que j'ai pas vérifié, mais il est en anglais, il est pas en français, Elfir, j'ai l'impression. Ah, j'ai un doute. Oh, c'est là où je l'ai téléchargé, installé en anglais et sans vérifier qu'il y avait le français. Peut-être. Profil. Oui, bah player, ça me va bien. Attends, j'ai un doute. Attendez, attends. Moi je sais pas perdu, j'ai déjà configuré ça. Mais je suis en train de me faire peur au niveau de la langue du jeu. Minute papillon. Je sais plus si dans les options. Propriété. Activer. Clac, clac, clac.
Mise à jour, fichiers locaux, clac, clac, clac. Nanana, non. Merde, où est-ce que je vois que... Attends, la page de magasin, elle dit quoi? Il y a du français, je crois, non? Ah non, non, non. Le jeu est en anglais. Non, non, c'est in English. Ok, non, mais tout est réglo. Tout est réglo, on va y retourner. C'est moi qui ai flippé pour rien. Mais... C'est bien en anglais. Ah, merdoum, il m'a pas remis le chat. Alors, je vais laisser le jeu revenir au menu parce que... Il va me faire un caca nerveux si je le rezappe. First encounter as a recall. Oui, bon, peut-être zapper les. Voilà, merci. Alors, je veux revoir mon chat. Oui. Merci. On retourne dans le jeu, on y croit, il va pas crasher. Allez, c'est parti, mon kiki. Modéré, oui, voilà. Je vais faire. Situation à haut niveau d'alerte, nanana, mission, emergency pour une situation. Tu dois être transféré à une unité. Ça sera ton premier assignement d'amphire. Ouais, bon. Un peu cucu la praline. Point of origin, le point d'origine. Yeah. Alors, je dois avouer que je connais rien du jeu. J'ai même appris récemment que c'était finalement un FPS, pire. Hein. Je rappelle que c'est toi, Twinsen, qui voulais que je fasse ce jeu. Donc, je présume que toi, tu l'as fait, mon cher Twinsen. Bah, je repose ma manette. Alors, en 2002, l'armée américaine a formé une unité secrète dédiée à... J'ai pas eu le temps de lire. Cette unité était nommée bah, FIR, là, First Encounter Assault Recon. Oui, tu l'as déjà fait, ok. Seri Entertainment Present. Bah oui, forcément. Ça, c'est écrit en pattes de mouche. Je sais même pas si vous voyez sur mon retour. Oh, c'est vraiment la police de caractère ultra fine. Il y a des corbeaux! Ah, j'ai déjà peur de ce que maman. On se croirait dans un clip de Mylène Farmer. Aïe aïe aïe. Comment ça tu veux? Oh? J'ai fait posséder. Oh là, c'est violent. Attention, jeune public, là, enfin, je suis quand même une chaîne adulte 18+, mais âme sensible, s'abstenir. Oh là là! Wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God.
We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right, let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Armacam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. Alors en fait, y a une unité. What's the first thing you remember? Where are you taking him? You will be a god among men. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. Alors, il se trouve que, de ce que j'ai compris, il y a une unité ultra-secrète américaine qui souhaitait avoir des super soldats. C'est-à-dire que le concept, c'est de contrôler mentalement à distance par télékinésie ou... forte suggestion, par incarnation, on peut le dire, ce qu'on vient de voir dans l'intro, des soldats, ou du moins des hommes qui ont apparemment des particularités physiques de bons soldats, une bonne base, deviennent des pantins de l'armée américaine, ils sont contrôlés mentalement à distance. Donc là, effectivement, waouh, c'est un concept, je sens que ça va aller loin dans les horreurs. Alors, mission coordinateur, attraquer le commandant ennemi, Paxton Filté, abandonné dans un district voilà, de bâtiment désinfecté, Hannibal Free, satellite espion, nanana, montrer des signes de voilà de l'ennemi, la République des soldats de Vinny City. Là. Alors, mission, combat, filtrer la cible, deux voies possibles d'entrée dans le bâtiment avant de neutraliser Fettel. Un accord avec la machin, les soldats réplicants subordonnés seront inactifs une fois le grand vilain maîtrisé, si j'ai bien compris. Il faut trouver trace de Paxton Fettel dans le bâtiment. Ok. D'accord. Waouh. Ma lumière. Ouais, ça peut aider. Ouais, déjà fermé ici. Ah merde. Comment je peux les détruire? Ouais, bon. Je perds une balle, tant pis. Ah, une deuxième planche. Ouais, ça va, je commence à me sentir à mon aise. J'ai fait les mêmes contrôles de base que pour Half-Life, donc j'aurais pas être trop perdu. Je suis de retour jusqu'à la fin du live. Ouais, merci, mon cher fan. Bah tu vois, je me suis lancé dans Fear parce qu'il n'y avait personne pour les bibis. Et du coup, bah, je fais le jeu que Tune Sen voulait que je fasse. Et comme j'ai fini le Half-Life 1, c'est pas plus mal.
Première chose que je vois de Twin Sand dans les options graphiques avant de dire 4 tiers ou 16 neuvièmes. Ah là là, celui-là. Ah, s'il a pas son 4 tiers normal, il le vit mal. Bah, j'ai essayé de regarder la solution pour vous le suggérer. Bien la physique, excellent. Mais le jeu me dit, basculer en 16 neuvièmes, le jeu a pas été conçu pour, et il m'a dit de rester dans la résolution par défaut qui est celle-là, et c'est pas plus mal. Ça vous fait comme un Half-Life, et voilà. C'est quelle résolution? C'est 1024 sur 768, je crois. Oh, ça va. Enfin, c'est du 4 tiers, quoi. C'est surtout ça, c'est le ratio. Y a rien dans les... Vache, c'est sacrément varié. Comme moi, hein, il faudra qu'il s'y passe. Hein. Moi, mes jeux, je suis désolé, les jeux PC, on a essayé de faire tout ce qu'on peut. Je peux pas les jouer... Moi, mais j'ai besoin du plein écran, c'est tout. Sinon, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Et je me fous de savoir si c'est écrasé ou pas. Moi, du moment que j'ai mon plein écran, je suis content. Hein. Ok, génial, très drôle. La porte qui tient. Hey, bro, what took you so long? Try to find a way around. Oh. Ah, mais il y a ma chérie d'or, je me fais le lag. Inès. Viens voir papa. Non, bon, elle veut rester sur son coin. Elle reste dans ton coin. Alors, comme son nom l'indique, fear en anglais, ça veut dire frousse, peur. Donc, à mon avis, je risque de me faire dessus. Ce qu'il y a sur les étagères, parce que je me familiarise avec les objets que je dois distinguer et manipuler dans tout au long de l'aventure. GG, ça fait, tu es sur 10 heures de live. Oui, oui, merci. J'y accorde pas d'importance. Eh mais vu que pour toi ça te donne, ça te revivant, vu que un live ça te fait beaucoup de bien, mais si tu fais un 24 heures live, alors là. Super bien là. Non mais tu connais mon point de vue, je te l'ai déjà expliqué. Je caricature. Oui. Mais je pense que qu'un de ces quatre, tu serais capable de faire 24 heures si tu t'en rends pas compte. Hop, ça commence. J'ai un décalage de ouf. Non, je suis persuadé que si tu fais pas attention au temps, tu pourrais faire 24 heures. Facile. Why did you bring me here? Why did you bring me back? Ouais, ouais. Non, mais je cautionne pas les 24 heures. Ah, moi non plus. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Je trouve qu'en plus 24 heures sur une rediff, tu auras fait plein de jeux et ça intéresse pas. De l'horreur. À la limite, si c'est pour faire un record mondial. Mais bon, plein de gens ont fait 24 heures. Il y en a même qui ont fait 48 heures. Non, 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 il faut pas. Je suis pas pour déranger l'horloge biologique du corps. Moi, je me dis que s'il faut faire un 24 heures, à mon avis, il vaut mieux le commencer la nuit. Parce que, type minuit, 1h du matin, comme ça, quand tu termines ton live, tu le termines à nouveau sur une nuit, et donc tu peux aller te coucher, et puis ça te permet d'être en forme pendant les horaires de nuit. C'est comme ça que je le vois. Oui. J'ai un coup qui est parti tout seul. Je me retrouve avec mon corps avec le pistolet de Cristella ou j'ai pas compris. Ah, le fameux. Apparemment, elle le prête beaucoup son pistolet, Cristella. Come on, you ready? Go! You were born here, in this place.
Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. Get going. Je savais même pas qu'il y avait la Twitchcom. You gonna check the place out or what? Ah, il y a une barrière. Non, c'était une suggestion mentale. Oh, la ville est sympa. Ça me rappelle un peu Laissé pour mort. C'est quoi Laissé pour mort, c'est un film? Non, c'est un jeu vidéo, Left 4 Dead. Ah, Left 4 Dead. Mais moi je connais en anglais mais pas en français là. Oui, donc si tu me connais, je traduis tout. À tort ou à raison, je traduis tout. Je fais comme toi, c'est plus simple. Comme Half-Life, je dis. Maintenant, je vais dire demi-vie. Je vais dire demi-vie, bouclier bleu. Voilà. C'est ça. Donc, je dirais destin funeste. Si Left 4 Dead il avait pu avoir un quatrième opus, ça aurait fait Left 4 Dead. Ou c'est comme les dents de la mer, hein. Quand tu vas au deuxième opus, ça cause quelques problèmes. Hein. Ouais. It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Ou les shows aussi. Show 1, show 2, les films d'horreur. Le problème, c'est que quand t'arrives au 6ème, ça fait show 7. Hein. Le 7ème, ça fait show 6. Non, le 6ème, ça fait show 6. Le 7ème, ça fait show 7. C'est la digestion, je parle comme Maître Yoda. Quoi? Je peux pas me refaire, c'est trop beau. Je sais pas si t'as entendu Minette. Ah non. Ah, ça isole bien quoi, hein, cette... Elle m'a fait un beau miaou. Bon ça va, j'ai compris, tu veux sortir. Hein. C'était si gentiment demandé. Non, mais Minette, elle miaule juste pour avoir mon aide. C'est tout, elle aime pas miauler. Elle fait qu'elle aime pas miauler. Hey, back already? See anything? You guys about done up there? Our day's just getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while. Reed! Come on, make your push! I've tried to forget. I've tried so hard to forget. These men are from fear. They're special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys.
Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Bonjour, Chris. J'espère que tu vas bien. Salut, Chris. Alors, deuxième petite mission. Bref. Alors, le corps d'un mec non identifié a été découvert sur le site. Tac. Ah non, c'est re-Chris, puisqu'il était venu, qu'il avait changé de couleur. Oui, pardon, oui. Non. J'ai vu te raid, mais ça marchait pas. Pour toi, c'est normal. Non, c'est pas normal. Non, mais c'est Twitch qui buguait. On recherche pas, mais c'est gentil de l'intention. Merci, Chris. Mais oh, c'est... Mais tout à l'heure, j'ai eu un bug bizarre à... vers les midi sur mon antenne. Je savais que j'avais du monde, j'avais 4-5 spectateurs. Mon compteur est retombé à zéro. Ce qui n'était pas possible, puisque je savais que j'avais des spectateurs. Mais bon, bref. Il y a des bugs comme ça. Faut plus chercher à comprendre. Chris est là et est parti. Si tu veux te remettre en orange, tu peux. C'est une scène qui te pose une question à toi, le sage. C'est quoi qui fait peur, le jeu ou Funfan qui parle? Bah, s'il y a des moments où je m'attends pas, il y a des bruits spontanés de ta part de ton côté Funfan, alors que c'est un jeu pour avoir la frousse, c'est peut-être toi qui vas me faire plus peur que le jeu. Ça pourrait se produire. Non, ça ira, dit Chris. Bah oui, non, c'est bien. Ah ben, c'est bien, Chris, de pas être attaché à une couleur. Voilà, je fais la mission 2, puis après on enchaîne sur le tableau mystère. Moi je fais que. Moi je suis attaché au vert, je reste vert. Ah. You find that gate control yet? Come on, we ain't got all day. Ah, Monolith Studio, qui sont les mêmes qui ont fait Crunch. Bah tu vois, les gars, ils ont fait des bons trucs. Ils ont commencé par quelque chose de pas terrible, mais ils sont arrivés à faire des bons jeux. C'est comme ça qu'ils apprennent l'expérience du développement. Je crois que ça n'existe plus, Monolith Studio, même. Chris, il peut pas faire de tag, il peut pas faire de raid. Bientôt, il pourra plus écrire. Il va être blacklisté. Non, je te le souhaite pas. D'ailleurs, j'aurais dû profiter qu'il y avait Christella et Nayone. Il paraît que Twitch, ils vont rendre la 4K payante. Bien, pas bien. Enfin, pas payante. Oui, payante, mais il faudra être abonné à Premium. Je me troll en fait. Pas peut-être. Non, pas Twitch, je veux dire YouTube. YouTube, excusez-moi. Oh là, ça y est. Non, pas bien. Bien, pas bien. Je suis très partagé là-dessus parce que personnellement, moi, je regarde mes vidéos qu'en 1080p, ce qui est suffisant. Donc, je me estime pas concerné. Mais, comme le dit justement Lucie, ils commencent par ça. Après, ils vont dire, oh, il y a peut-être pas grand monde qui regarde en 2K. Qui est le 13060, je crois, si je dis pas de conneries, la 2K. Après, ils vont dire, ah ben en 1080p, etc. Donc, c'est peut-être le début d'une dérive sur YouTube. Ouais, ce serait triste de pas savoir. Après, bon, si c'est limite qu'à la 4K, je m'en fous. En plus, même sur Twitch, t'as pas le droit de streamer à la 4K. Hein, parce que t'as trop de bandes passantes. Oui, tout à fait. Les gens, ils ont pas l'écran, ils ont pas l'ordi adéquat pour streamer ou pour la regarder. Ouais, ouais. Donc,
Mais il y a des gens quand même, Twinsen, qui ont une bonne peau et qui le regardent quand même en 4K, même s'ils n'ont pas l'écran adapté. Donc, personnellement, moi je souhaite qu'ils ne vont pas plus loin dans la dérive qu'ils veulent aller, qu'ils mettent la 4K, tout le monde s'en fout parce que je pense que c'est 60 à 80% des gens qui sont en 4K. Idem, comme les gens, il y avait une statistique Steam il y a quelques années, les gens ils utilisent la résolution Full HD, hein, ils n'utilisent pas la 4K, donc 1980 par 2024, hein, maximum. Hein. D'ailleurs, une stat qui prouve bien que Steam espionne les gens. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Que s'ils font que regarder quelle résolution, qu'est-ce qu'ils espionnent d'autre? Non mais on sait plus quoi faire pour faire de la thune. Oui bah ouais. Déjà pour du 4K il faut l'écran qui va bien et le débit qui va bien aussi. Oui tu as raison. Mais c'est vrai que c'est intéressant la 4K, moi j'aime bien le peu que j'ai vu en démonstration dans les magasins. C'est pour les documentaires nature. Ah c'est beau, t'as l'impression d'y être. Puis après on va te justifier, oui mais l'entretien des serveurs, gnagnagna. C'est pas faux non plus. Mais bon ouais. Et quand je pense que tout que un quart des gens ont la 4K et qu'ils viennent faire la même chose. Excuse-moi, j'ai pas compris que le gars était devenu hostile contre moi. C'est là où ça devient compliqué, tu vois, c'est de se dire, tu vois, bon, moi, on va pas prendre mon cas, parce que moi, je suis Monsieur Pixel, donc je me satisfais d'une 3D, mais à partir déjà du 1080p, on était déjà arrivé à quelque chose, même le 720p, quelque chose d'assez satisfaisant. Là, avec la 4K, on arrive à un truc qui est quasi parfait. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura encore un intérêt à aller en 8K? Où il ne faudrait plus pas se limiter simplement à la 4K, on est au maximum et se dire qu'on va plutôt évoluer d'autres choses. Parce que si on va plus loin déjà, ça veut dire des jeux encore plus gourmands en termes de place, des disques durs qu'il faudra vraiment qu'ils modernisent, sinon sur console ça va être mort. Donc des jeux de développement, certains des fois il leur faut 5 ans. Alors oui, on me dit le Unreal Engine, ça leur simplifie mon cul, il leur faut pour 5 ans. Pour nous sortir des vrais jeux, puisque le seul truc qu'ils savent faire depuis qu'il y a le nouveau Unreal Engine, c'est des remakes, des reboots et je ne sais quoi. Donc ils savent pas faire des jeux originaux ou des suites concrètes. Donc moi je dis qu'on se limite à la 4K, hein. C'est déjà pour ce qu'on a, c'est largement satisfaisant et non, je sais pas. Je pense qu'il faudra aller jusqu'à où, toi, le sage. Bah, je sais plus, mais je crois que le standard japonais c'est devenu la 12K, si j'ai pas de bêtises. Enfin, ils ont déjà des caméras compatibles au Japon depuis la pandémie, à vrai dire. Eux, ils sont déjà au-delà de nous. Bon, faut savoir que le Japon est la vitrine de la technologie mondiale. Ils ont déjà 2-3 ans d'avance sur nous, si c'est pas plus. 2K. Mais arrêtez, hein. C'est bon, hein. La 4K c'est largement suffisant. Hein. C'est que vous êtes beaux les Japonais, mais n'exagérez pas quand même. Bon, ça c'est une blague
pourri. Mais moi je dis, moi je trouve que c'est satisfaisant. 4K, 60 images par seconde, et puis basta, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Bon, ça dépendait que de moi, je serais resté à la 3D. Mais bon. Comme on dit, le monde évolue tous les jours, la technologie avance, c'est normal que quand on ait une nouvelle console ou PC, on propose quelque chose de neuf qui ne faisait pas avant. Non mais... Mais... Alors, Pop Tripop qui répond non mais au bas. Nos 50% des viewers regardent sur mobile. Oui, c'est ce que m'avait dit Winston une fois. Il m'avait dit de faire que du 720p, mais... Hormis pour les documentaires nature et animalier, je vois pas l'intérêt, nous dit Chris Golgoth. Et puis après, je veux dire, si le but après de la 4K, la 8K, tout ce que vous voulez, c'est qu'on arrive aux photoréalistes, bon merci quoi. C'est pas, ça me fait pas rêver, moi. Un jeu vidéo doit rester un esprit de jeu vidéo. Déjà pour moi, on n'y est plus. Donc. Bon, avoir la 4K pour moi ça me casse le truc quoi. Moi, quoique avoir les Sims en photo réaliste, là je dis pas non, parce que comme les Sims ça veut reproduire la vraie vie, ça peut être rigolo, mais mais bon, j'ai l'impression que plus on avance. Enfin, du moins, on le voit bien dans les jeux de catch, mais on l'a vu aussi dans Assassin's Creed Valhalla. Plus ça va, et moins les visages, on arrive à les faire réalistes. Pourtant, on a la motion de capture, mais les visages sont de moins en moins beaux, j'ai l'impression. J'ai l'impression que depuis les générations PS3, on fait que régresser là-dessus, même. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les visages, c'est ou du parfait, ou c'est du tout neuf. Il n'y a pas un intermédiaire. Une balle dans le trou de balle. Chiche. Vache, la physique me plaît bien. Il y a le panneau électrique derrière qui a giclé. Il y a Twinsen qui te dit qu'il avait beaucoup joué à Fear en multi à l'époque. Ouais. C'est un FPS nerveux. Bah tu vois, je le fais bien. Tu as été tué, c'est horrible. Mais l'intelligence artificielle a l'air d'être bonne dans cette production. On voit que le gars revient, il voit le cadavre de son confrère et il se précipite dessus de manière très logique, très sensée. Franchement, je comprends pourquoi vous êtes si enthousiaste, ça me fait un retour à me dire vous avez bien aimé. Il m'a l'air d'être bon, effectivement.
Oh, ce cri. Non, j'ai pas de grenade. Hey, j'ai une mouche, on dirait qu'elle a confondu mes cheveux avec un nid d'oiseau. Oups. Tu vois, elle arrête pas de se poser sur mes cheveux. Alors, c'est plus de saison, mais je rappelle la bonne astuce qu'un restaurateur m'avait donnée pour faire fuir les guêpes quand vous êtes à table. Vous prenez du café moulu que vous mettez dans une tasse, ou c'est moins efficace, mais ça marche aussi, du marc de café en fait. Que vous laissez sécher au soleil et puis ça, elle va pondre tes cheveux. Oh. Va voir ailleurs où j'y suis, punaise. Oh, mais je vais... Ouais, après je vais faire comme dans la mouche où je vais me transformer en je sais pas quoi. Bah en mouche, burk. Et qui bat mais qui fait ouais, ouais, ouais. Comme dans les Simpsons, tu sais. Bouillet, bouillet, bouillet. Avec des gros yeux rouges là qui font peur. Bon, si vous m'entendez faire bzz, 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 vous savez ce qui c'est, pourquoi maintenant. Hein. J'entends plein de balles se battre contre la mouche. Et je serai peut-être le premier streamer mouche. Et surtout à la fin de mes streams, je me cognerai chaque fois contre la fenêtre. Une mouche, elle fait ça. Je crois que La Mouche, c'était un film de David Cronenberg, en plus. Je pense à Sir Peter. Je te jure, ça va devenir un mème pour moi. Je fais tout le temps penser à Sir Peter. Tu m'as marqué à vie, je pense. Regarde des camions. C'est dans le film Le Fan avec Robert De Niro et Wesley Snipes où Robert De Niro, tue une mouche avec un 9 mm. Ah! Wow. Mais je te jure, je me vois toujours Sir Peter. Hein. Oula, ça craint ici. D'ailleurs, en ce moment, je lui fais de la pub, mais tu sais qu'on l'apprécie, donc on peut. Il y a l'ami Vieux Murloc et Vieux Jeu qui a terminé un Sir Peter. Qui a terminé le Tomb Raider et maintenant il est sur Rue Lord Rose comme Chris Goldott. Donc je regarderai aussi ses parties à. Il a une chaîne YouTube hein, et je regarderai parce que lui il va chercher en profondeur donc il ne laisse pas les mêmes ombres qui m'échappent dans ce jeu. Mais ça m'a surpris de le voir. Je sais qu'il faisait quelques Resident Evil, mais le voir dans un jeu. Et en plus. Ce dernier détient une édition. Oh. Il a de l'or dans les mains. Ouais. Et quand tu sais que c'est 1 200 balles. Wow.
Wow, ça mérite un clip, ça. J'ai fait un nouveau clip. Merci. J'avais vu un truc de santé. Il a raison, Chris. Il le dit. Hein. Il dit, il y en a qui ont des tipeurs. Il dit, moi j'ai un serial clipper. Ouais, j'essayerai quand j'aurai un peu de temps de regarder vieux Morlock et vieux jeu et voir ce qu'il en dit sur le jeu. Ce sera bien en complément de Chris. J'aimerais un jour voir vieux Morlock et vieux jeu sur Deus Ex. Je vais lui demander un jour. Ouais, ce serait bien. Mais vas-y. Non, bah, le voir sur Deus Ex, ce serait vachement bien. Mais bon, pour l'instant, d'après ce que je vois, vieux Morlock et vieux jeu, il a jamais fait d'FPS, alors peut-être qu'il aime pas. Possible. Il est vraiment cool. Et en plus, il a, tu sais, il a des trucs d'offres Tipeee. Donc, avec des contreparties. Et sa meilleure contrepartie pour 50 balles, il va discuter avec toi sur un Skype. Et ça, je trouve ça classe. D'accord, c'est 50 € la ligne. Mais c'est classe qu'il peut prendre son temps. Il n'est pas dit qu'un jour je ne le fasse pas. Peut-être qu'après il le remet sur sa chaîne YouTube et on peut faire sa pub, je sais pas. Et moi, vu les vieilles reliques que je fais pour Twinsen, ça pourrait plaire au public de vieux Morlock et vieux jeux. Et je parlerai de toi aussi des Tomb Raider que tu fais. Bon, il faut encore, je trouve, un jour un temps et l'argent lui donner 50 €. Mais bon, il le mérite, il fait tellement du bon travail. Ouais, ouais. Les youtubeurs comme lui, on n'en fait plus, malheureusement. Bizarre, j'ai des petits lags par moment des gels, des freezes de. Bizarre. Et Chris, tu penses que tu vas pouvoir tenir jusqu'au 30? Parce que, en fait, le sage, je sais pas si tu es au courant de l'idée que j'ai eue pour Chris. Non, moi tout. En fait, tu sais que Chris, il fait principalement que des jeux d'horreur toute l'année. Et je lui ai dit, comme on est au mois d'Halloween et qu'on est au mois de l'horreur, j'ai dit, pourquoi t'inverserais pas, puisque tout le monde fait des jeux d'horreur, que tu ferais des jeux de guimauve?
Et du coup, chez Chris, le mois d'octobre, c'est le mois de la guimauve. Et... Bon, des fois, il alterne de temps en temps avec un jeu d'horreur parce qu'il en a quand même besoin, mais il fait vraiment l'effort. Il a fait les Sims 2, il a fait les Race Moquette, il a fait les Mille et Une Pattes, enfin de guimauve ou de dessin animé, enfin un truc un peu bien, bien, tu vois. Enfin, y a rien à voir avec l'horreur, quoi. Donc, c'est rigolo, j'essaye de passer quand je peux. Et... comme il ne le cache pas, comme ça, d'où s'étendre, attend bientôt un enfant, c'est bien comme ça. Parfois, il sera pas cher des jeux d'horreur. Il naît en octobre. Et grâce au bouquet. Ouais, ou il est un pat. Bon, je sens que tu vas faire la déco. Les Race Moquette, le jeu d'ancien drogué, ça. Très précis, la physique est remarquable, je comprends pourquoi il a son petit succès. C'est même à se demander si je pense à ceux qui font dans la vraie vie, c'est terrible, tout ce qui est GIGN, entre autres. S'ils s'entraînent pas sur genre de jeux qui font un peu simulateur nerveux à avoir les bons réflexes, comparé à ceux qui se disent justement dédiés comme les Rainbow Six, celui-là, franchement, je le trouve vachement bien. Merci de la suggestion, Tunsen. Bien vu. Ouais, ouais, effectivement, tu ne l'as pas proposé pour rien. Et je le connaissais juste de nom, sans plus. Je m'y étais pas intéressé. Merci à toi. Effectivement, de temps en temps, une petite session bien nerveuse, une petite mission. Sachant qu'en plus, j'ai des extensions, donc j'ai tout le contenu du 1, comme le Half-Life, par exemple. Donc, dans les prochains mois, ça va défourailler. Ah, pour répondre à la question, Chris Papp m'a dit qu'il tiendrait jusqu'au 30. Comme tu disais que tu avais un moment de relâchement... Après, si t'alternes, c'est pas grave, Chris. C'est bien, tu vois. Après, c'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est vrai que je t'ai proposé aucun jeu parce que j'ai pas trop d'idées. Moi, je joue pas à des jeux de guimauve, donc j'avais juste dit les Sims 2, mais heureusement, dans ta communauté, il y a des gens qui sont inspirés pour la guimauve. Et il te dit que la suite, le 2, est aussi sympa, Chris. Ouais, bon, on verra bien plus tard, puisque j'ai déjà les extensions du 1, alors ça va me tenir en haleine longtemps. Ah bah c'est vrai que Twinsen lui préfère les jeux modernes. Ah, oh, dégage la mouche. Oh, ça me désespère. Alors, pendant la nuit, je vais t'avaler, tu comprendras rien. Non, parce que quand je vais dormir, elle va venir près de ma bouche et hop, je vais l'avaler sans rien comprendre. Je m'avais... Il a fait une... Je ramasserai les chatons du quartier pour avoir mon lot d'hémoglobine. Je plaisante évidemment. Oh non, pas les chatons, ils sont mignons comme tout.
J'ai l'impression qu'avec les chats, c'est ou on les aime ou on les déteste. Hein. Ils ne laissent personne indifférent. Hein. Je crois que c'est aux États-Unis, je ne sais plus quel état, c'est devenu un problème de santé publique. La gestion des chats errants, des chats de gouttière, et comme ça se reproduit comme des lapins, l'espèce féline, bah ils se laissent déborder et ça cause des dégâts, et des problèmes d'insalubrité. Quelle ironie de dire que des chats se reproduisent comme des lapins. Alors, le ralenti est important pour faire un truc à la bullet time matrix. Je viens de comprendre, effectivement. S'il y a trop d'ennemis à gérer en même temps, c'est un peu la folie. Alors, attends, menu. Je peux sauvegarder manuellement. Ah, c'est intéressant ça. Je sais pas, oui, premier contact, ouais. C'est bien comment on se vient. C'est quoi la touche pour le bullet time? Ah bah, dans Max Payne, c'est la souris, hein, c'est le clic gauche. Hein. Mm. Ah, ou droit. Motion. Ouais, mm. C'est important le truc. Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Pourquoi pas? Oh, GTA! Au bouton de la souris. Voilà, la grand-mère de mon pote avait 21 chats dans un appart, c'était ignoble. Ah oui, non, ça se fait pas, ça. Oh. 21 chats en appart. Oh. Ah, Roux, il vit avec pas mal de chats aussi. Je sais pas combien, mais... Ah bon? 10 ou 12, un truc comme ça, mais... En plus, pour avoir le budget. Effectivement. Ouais, je vais essayer de terminer la mission là et puis je passerai au tableau mystère et puis je vous laisserai parce que je commence à avoir faim. Parce que dire la vache pop quand on parle de chat. Ouais, elle avait Alzheimer. Ouais. Mmh. Encore 15 minutes et tu fais 11 appels. Mais ceux qui aiment. Mais ceux qui aiment bien ce jeu. La pauvre avait Alzheimer, t'inquiète pas, j'ai. En plus, 21 chats, elle. Comme ça, elle. Elle dit, ah, c'est mon chat, ah non, c'est pas mon chat, non, c'est un chat. Ah, là, oui, c'est quoi? Ah, mais je t'ai déjà nourri, toi, c'est pas nourri. J'ai combien de chats déjà? J'en ai deux, en fait. En fait, elle croise un chat, et puis elle en croise un autre, puis un autre, et puis un autre, elle croit qu'elle a qu'un seul chat, tu sais. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as donné envie d'y rejouer. Bonsoir, Poupon. Bah, c'est ce que j'explique, merci, mais je me repose quand je fais ça, moi. C'est ma semaine qui est harassante pour moi. Qui m'assomme. Là, je suis rechargé. Là, je me sens en pleine forme pour demain, vous voyez. J'ai une patate d'enfer grâce à vous, merci. Bonsoir, monsieur Poupon. J'espère cette fois, tout à l'heure. C'est pas un reproche, c'est juste que je voulais faire une argumentation. Et... Je voulais juste argumenter sur une chaise, puisque je pouvais pas le faire à cause de Twinsen qui paraît tout le temps, et je vais essayer d'être bref pour donner une argumentation complète. Je disais que je regarde Julien Chaise, effectivement, mais je regarde aussi jeuxvideo.com, je regarde Carole, Jeux Vidéo Magazine, la chaîne Game One. Donc j'essaye d'avoir plusieurs vecteurs pour avoir mes news de jeux vidéo. Voilà. Et donc, dans son cadre à lui spécialement, je ne le considère pas comme un jeu, c'est un précis. Il a un avantage, c'est vrai qu'il a quand même pas mal de pédagogie, il est au moins sur les jeux vidéo.
Mais après, dans ses inconvénients, ce que je lui reproche, c'est de vouloir des fois faire des briques. Ouais. Non, je rigole pas. Bon. Attendez. J'arrive pas à les avoir. Oh, pas mal. C'est bien, il y a la fumée en plus qui est prise en considération, ce qui est très réaliste. Ça veut pas dire que je suis mort. Que ça vaut... Wow, magnifique. Oh non, mais la physique est irréprochable. Je suis impressionné. Le réalisme, je suis impressionné. Ouais, tiens, je vais écraser sur ma précédente sauvegarde. Un peu trop accentué quand même la fumée, mais en effet assez rare sur les notés. Ouais. Merde, j'ai touché à la tête de balle. Waouh. Il y a un effet grisant à la Matrix. J'ai l'impression d'être Néo. Ouais. C'est wouh. Camion. La censure ne m'empêchera pas de dire ce que je pense de lui. Re le sage. Alors, je vais essayer de terminer vite fait pour pas monopoliser ton temps d'antenne sur lui, même si ça peut te permettre de te concentrer. Donc je disais que oui, négativement, ce que je n'aime pas chez Julien Chaise, c'est vrai que de temps en temps, il fait des breaking news, et de temps en temps, des fois, il te fait deux, trois fois la même breaking news, et qu'il est en live, donc c'est un peu énervant, et puis ça aussi, sa façon de présenter des fois, qui est gonflante, « Bonjour à tous, machin », donc c'est pas un jeu de filette, ouais. C'est ce que je voulais expliquer à Monsieur Poupon, et Monsieur Poupon a tout à fait le droit de ne pas aimer Julien Chaise. Mais moi, voilà, pour moi, ça reste quand même, c'est bien pratique quand tu veux avoir une news rapide, que tu veux avoir une analyse rapide. Mais je le prends pas pour argent comptant, comme on dit. Donc voilà, je tenais à être clair sur lui. Et... voilà, j'espère que j'ai été clair. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas. Non, je sais, mais je viens t'avouer. Oui, à chaque fois que tu la sortes, une scène, il faudrait un peu renouveler la blague, tu vois. Il faudrait trouver un autre synonyme, tu vois. Mais voilà, donc. Après, pour avoir tout lu, je regarde un peu tout le monde. Non, parce que j'avais pas pu l'argumenter à cause de Twin Sen qui faisait que parler. Donc, voilà, ma position est claire. Après, lui. Mais par exemple, Carole Quintaine, j'aime pas quand elle met du 21 et du 22 et qu'elle te sur 20 et qu'elle te trouve des défauts. Ouf. Et qu'elle te trouve quand même des défauts sur un jeu alors qu'elle a mis au-dessus de la note maximale. Je vois pas déjà sur la note maximale que tu peux avoir des défauts. Mais si en plus tu es au-dessus de la note maximale, je vois pas encore de défauts. Voilà. Mais ni je le vois comme un dieu, ni rien. Je veux un vecteur de news rapide qui va chez lui, après je vais regarder les autres pour voir si c'est au moins le même point de vue ou pas. Je trouve qu'avoir qu'une seule source d'information, c'est jamais bon.
Sans faire de jeu de mots politique, mais voilà, toujours bien. Et d'ailleurs, j'ai fait une photo, moi, à une des Paris Games Week avec Julien Chaise. Hein. On a fait un selfie ensemble. Ouais. Et à l'époque, en plus, je savais même pas qui c'était. Il y a Twinset qui te dit que tu es toujours accroupi. Oui, 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 c'est mon souhait. C'est mon souhait parce que ça déstabilise bien l'ennemi. Ah ben tu vois qu'il n'y a pas que moi qui fait cette stratégie Twinsen. Dans Duke Nukem 3D, j'étais tout le temps accroupi aussi. Hein. Mm. Ouh, t'as les voix fantomatiques, nous dit Chris. Voilà, le chapitre j'ai une chaise éclos. Maintenant, si je parle de lui sur mon stream ou ailleurs, je ferai pas un long monologue, mais il fallait au moins que je le fasse une fois, pour être clair. Effet gastro-entérite, les virus arrivent. Eh oui, le fait qu'il est toujours accroupi. Gastro-entérite, parlons pas de malheur. Ah, entre le fait d'essayer d'avoir convenablement chaud chez soi, ou devrais-je dire raisonnablement chaud chez soi, et essayer d'éviter de choper une cochonnerie et de conserver pendant toute la mauvaise saison, et même tout le temps d'ailleurs évidemment, une bonne santé et pas choper de maladie, dur. Franchement, faut que je saute. Wow. Qui se foulait la piste. Wow. Oui, elle est fâchée, la demoiselle. J'ai compris. C'est quasiment la traumatisée de sa fille. C'est vrai qu'on dirait la séance du film. Ouais, 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 c'est vrai. Tu as raison. Bon, tu as raison. Je parle de qui je veux quand je veux et où je veux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime bien. Qu'on se fasse pas une fausse idée de moi parce que j'ai parlé d'un tel que je l'admire ou quoi que ce soit. Je suis assez lucide hein, en général. He's alive. Should I call in a medevac? He doesn't appear to be injured. Although I don't know how he survived. Worry about that later. I'm reading Fettel's transmitter near that position. Tout le monde dit à Google maintenant. Gotta take that fucker out fast. Keep looking for Jankowski. I'm still reading his life signs. You can't send him in alone. That's crazy. He can take care of himself. Now move. Je ferai la suite une prochaine fois, mais sympa. Ouais. Et tu auras terminé, tu auras fait 11 heures de live. Ouais. Mais attends, on va faire le tableau mystère là. Ouais, mais dans 4 minutes, t'as fait. Je pense que quand tu as terminé le tableau mystère, ça fera 11 heures de live. Oui, possiblement. Alors. Après, il faut faire 11 heures, 11 minutes et 11 secondes, et là, t'arrêtes le live. Ah mon dieu. Ah, oh, mais attends, j'avais même pas mis la zone de notification. Oh. Ah, alors, elle a sauté, peut-être. Bon app, bonne soirée, merci d'avoir été là, Chris. Merci d'avoir essayé de faire un relais de chaîne, mais mon tu sais qui va, c'est pas grave, c'est un truc qui compte. Merci à toi, mon cher Chris. Bah, prends bien soin de ta douce, voilà, qui devrait avoir bientôt l'heureux événement. Et puis, bah, bonne continuation, plaisir de te voir au passage dans un de tes directs. Alors, en espérant que tu ne fasses pas trop tard en soirée. Mais à l'occasion, voilà, j'aurai le plaisir de venir te voir aussi sur ton canal. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, donc Chris qui fait de temps à autre des directs en soirée, parfois même, j'ai envie de dire, de nuit, on va dire de manière large, de 21h à 1h du matin. Poupon, c'est 21h-23h en semaine,
Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Alors, je me répète, je dis souvent dans mes directs, mais pourquoi? Parce que je soupçonne quand même un potentiel important de public qui reste anonyme, qui n'ouvre pas de compte sur Twitch, mais qui me regarde passivement, que ce soit directement sur Twitch ou sur YouTube. Et j'aime bien vous faire votre promotion, votre pub. Comme ça, tout à chacun, tiens, repère, tape le nom, et puis peut-être qu'il vous regarde aussi en secret, comme on dit là, en anonyme. Voilà, voilà. Mais non, rougis pas, rougis pas. D'ailleurs, j'ai la commande où je peux vous mettre en valeur. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Ça fait du bien un peu de le faire. Voilà, pour ceux qui voudraient, pour la description de la chaîne de Chris Golgoth et aussi de Poupon 29. Voilà, faites-vous plaisir. Alors, on va basculer dans le tableau mystère. Alors, je me permets de répondre. Oui, vas-y. Qui a fait un joli message. Je te soupçonne d'admirer surtout la plastique et le minois de Madame Chaise, petit coquinou, avec trois smileys qui sont. Alors, oui, je vais être très honnête, et de toute façon, je ne peux être qu'honnête. Carole est une très belle femme, vraiment. Et la première fois que je l'ai découverte, c'était à la Paris Games Week, et elle est encore plus belle de la voir en vrai que de ce qu'on peut la voir sur Internet. Oui. Je le conçois. C'est une très belle femme. Elle est très élégante. Voilà, je ne me cache pas. Alors qu'elle venait tout juste d'accoucher, elle avait accepté de tourner une vidéo pour JDG. Et elle est en robe rouge. Elle me faisait penser d'ailleurs un peu à Da Wong dans Resident Evil. La classe ultime. Hein. Elle est très classe comme jeune femme, effectivement. Oh non, ça faisait déjà un petit moment qu'elle avait accouché. Je ne sais plus, mais... Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu, là, pour le coup, j'ai dit, waouh, vraiment très classe. C'est vrai, elle a la quarantaine, elle a un gosse, elle est encore très bien. Les petites jeunettes peuvent un peu la jalouser, en plus. Bon, elle a été aussi mannequin, Carole Quinten. Donc. Ah oui, elle peut. Ah oui, elle peut. Marseillaise, en plus. Donc, ce qui me fait plaisir, ça, c'est pas trop loin de chez moi. Le clown de Penpa n'est pas étonnant. Il me remet combien dans le titre alors que j'ai mis tableau mystère. Excuse-moi, je deviens fou là. Ah, ça a marché, je vois tableau mystère, juste chatting. Bah, moi je vois dans mes écrans de contrôle Fear. Fear, just chatting. Bon. Enfin bon, c'est pas grave. Le temps du tableau mystère, de toute façon. Je vais regarder vos réponses. Il est où mon onglet? Je sais plus, il est là pour le voir vos réponses. Oui, donc il y avait 4 jeux à trouver sur le premier tableau mystère d'ailleurs, c'est rigolo que ce soit le premier. Oula, j'ai 11 réponses. Oulala, doucement. Alors pardon, je me concentre dans les réponses parce qu'il faut que je fasse le tri. Et c'est une gymnastique particulière. Qui m'a répondu quoi? Alors, pour info, il y a Askar Kapak qui m'a vanné, qui a proposé le grand Bouddha sur le mont Fujiyama. Qui est bête. Blagueur. Sacré Askar Kapak qu'on salue, qu'on embrasse. Oh mon Dieu. Je vais faire par jeu, je vais pas faire par personne parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors déjà vous avez une bonne réponse en commun, Funfan et Twinsen. Alors je vais éliminer ça, tac tac, je retiens que vous deux vous avez la bonne réponse. Je le note tout de suite. Ah oui, puis c'est vrai que j'ai pas fait les stats. Quand j'aurai l'occasion de refaire les totaux mensuels des scores, faudra que je le fasse. Alors, j'ai pas le titre complet, mais je vais pas faire mon chieur, je vous accorde évidemment les points. Vous avez trouvé déjà le jeu là que je vais déclarer dans mon interface graphique. Voilà, principalement. C'est, voilà, l'image principale, c'est un jeu que j'ai adoré adolescent, que je vous recommande. C'est Raptor, voilà, c'est le nom que vous m'aviez donné tous les deux. Mais le titre complet, c'est Call of the Shadows, l'appel des ombres. Donc, je vais vous donner 500 points chacun. Alors, cadeau pour Twinsen. Cadeau pour toi, Funfan.
Ah, je pense toujours à Anthony maintenant. Un jeu d'Apogee Software nous rappelle une scène. Oui, bah oui, non mais je l'ai vu, mais va pas truquer mon truc, Fun Fan, can you? C'est pas passé, c'était le but. Bref. Live, bonne soirée, monsieur Poupon. J'espère que ma petite explication ne t'a pas fâché. J'aime bien être précis. Oui, bon, Minecraft, je vais peut-être y jouer un petit peu soir avant d'aller me coucher, Minecraft, sur mon serveur, peut-être 1 h 30, le temps de dîner, de me relaxer. Mais merci d'avoir été là, Poupon. Bonne création, bon courage pour la suite, au plaisir de te revoir sur ton direct. Hein. Et il faudra que je fasse tout la semaine prochaine avec toi, que je vois le coup de l'inscription du concours, le fait de venir sur ton Discord. J'avais cru comprendre que tu avais un Discord, j'y suis toujours pas. Et je sais plus quoi, on reverra. Voilà, sans souci, je. Comment ça, fâché? Mais non, personne n'est fâché, nullement. Bisous. Rapport à moi. Ah. Et là, une scène qui dit moi je triche et mon cousin il lui a dit moi tricher? Non. Alors. Non, c'est pas. Alors, Il y a cousin. deuxième jeu, j'inspecte, deuxième jeu. Aïe, Bob Morlock a fait une proposition qui est mauvaise. Thunsen m'a fait une proposition qui est mauvaise. Moi Thunsen m'a aussi. fait une deuxième proposition qui est mauvaise aussi. Oh là là, oh là là. Non mais c'est pas vrai. Non. Non, non. Les réponses que j'ai vues, je les refuse. Il y a eu sûrement de la trollerie, comme d'habitude. Non, non, non. Il y a eu des. En fait, vous m'avez donné des réponses qui correspondent à l'univers du jeu en question, mais c'est pas le jeu en question. C'est dommage. Donc le tableau mystère tombera pas ce soir. Tant pis. Je donnerai un indice tout à l'heure. La suite. Alors attends, je vire la vanne qui m'a fait rigoler de Raskar Kapak. J'ai ça et j'ai ça. Ah, bien, tu une scène. Tu m'en as trouvé un. Hein, ça me fait plaisir. J'ai commencé à le faire, j'ai pas continué, mais je le ferai quand j'aurai du temps. Mais ah non, Fun Fun, non, tu m'as parlé de Dune, c'est pas le jeu Dune dedans. Non, non, il n'y a pas ça dans le tableau ce soir. Ah ben pour Alors, le j'ai une coup, c'est bonne pas. réponse de Twinsen à part et une bonne réponse à la fois de Twinsen et Bob Morlock sur un autre jeu. Alors, dans l'ordre. Pourtant, on disait d'une plutôt qu'une fois qu'une, quoi, mais non. Ou thune plutôt qu'une fois qu'une. Celui-là, le petit extraterrestre dans le cadre bleu violacé, là. Il s'agit également d'un shoot'em up façon Raptor, à tout dégommer sur l'écran, mais plus spatial. Il s'agissait effectivement de Xenon 2, Xenon 2. Bonne réponse de Bob Morlock et bonne Ah, réponse de Twinsen. Zénon, en plus avec la musique des Max Brothers ou je sais pas quoi, elle est géniale cette musique. Désolé. Ah, j'ai bien aimé jouer aussi adolescent, j'avais la chance d'avoir le 1. J'avais pas le 2. Le 2, je l'ai découvert bien plus tard. Mais j'avais déjà le 1 et j'aimais beaucoup. Alors attendez, que je me gourre pas dans l'attribution des points. Alors Bob Morlock, ça va être chiant parce que je sais pas s'il est en mémoire. Il va falloir que je tape peut-être son pseudo complet. Ouais, merde, il est pas en mémoire. Alors Bob Morlock, faut pas que je me loupe, mais c'est comme ça normalement. Oui, apparemment c'est passé, c'est que son compte existe, ouais, il a reconnu. Alors, la suite. Ah oui, je suis content que vous l'ayez trouvé celui-là. Bien que je le connaisse mal, mais c'est bien, et c'était pas évident. C'était la petite image là. J'étais chié au niveau de la teinte de couleur, vous voyez, ça différencie légèrement le carré. Ce bâtiment-là fait pas partie de Raptor, mais j'ai réussi mon implémentation graphique. La petite usine là qui doit être une centrale nucléaire ou enfin une centrale, ça vient d'un jeu de stratégie façon Command and Conquer ou Dune 2. Je précise Dune 2 parce que le 1 c'est du blabla littéraire avec des persos. Il s'agit d'une belle saga que j'ai découvert il y a longtemps mais que j'ai très peu joué.
peut-être que je vous. Peut-être pas sur ma chaîne parce que c'est un truc long de gestion, une guerre. C'est Earth 2140. Earth 2140 en bon anglais. Et c'est Twinsen qui l'a trouvé, c'est bien. Alors, tac, 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 tac. Encore 500 points dans l'escarcelle à Twinsen. Alors, je vire ça, je vire ça, je vire ça. Voilà. Tac. Ouais, je vois les réponses. Donc, ça, c'est fait. Twinsen, il faut que je lui redonne 500 points. Oui, oui, surtout Twinsen, il est très fort, mon cher Pop and Ripop. Oui, oui, tu m'as proposé un jeu, Twinsen. J'ai vu, t'inquiète pas. C'est bien dans mes radars. C'est bien dans mes radars. Aïe, 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 aïe. Ouais. Alors, la difficulté pour moi, ça va être de donner l'indice sans donner la réponse. C'est toujours chiant. Ah. Je vais vérifier une info sur internet pour être sûr de pas me planter et pas dire une nannerie. Je vais vérifier un truc. Ouais, bah c'est ça en fait. Voilà, je pense que j'ai un très bon indice. Je pense que j'ai un très bon indice. Donc je regarde les réponses le week-end prochain. Il est où mon truc à indice? Il est là. Il est là. Avant, oui, je mettais ça, mais je vais mettre autre chose. Voilà. L'indice, c'est guerre réchauffée. Guerre réchauffée. Enfin, indice, ouais, quand il y en a plusieurs, mais là, il n'y en a qu'un seul. Donc, je vais supprimer le S, ça fera plus correct. Voili, voilou. Je pourrais presque même le. Voilà, mettre l'indice là, ça fait bien. Je rigole. Allez-y, je regarderai vos réponses la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir joué. Et je suis heureux de préserver un cadre de mystère. Ah mon dieu, mince, je viens de zapper sur moi-même. Alors, chez qui je pouvais faire un relais de chaîne? Ah! Mais il diffuse tardivement l'Army Aerostar. Allons chez Aerostar, il est adorable. En plus, il fait un jeu que je connais pas. Bon, bah, on va aller chez l'ami Aerostar. Alors, l'occasion pour moi de regarder rapidement mon historique de chaîne. Attention, pardon, je me détache déjà du. Comment ça s'appelle? Du chat. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche en finale de direct. Attendez, vous êtes où? Vous êtes là, ok. Comme ça, je peux vous lire. Les indices au Père Foura, ouais, c'est ça. Oh, petit Seb Live, bonsoir d'être venu sur la fin. Voilà, j'ai failli de pas le voir, mon pauvre. Bonsoir. Non, le principe du direct arrive dans mon jeu exclusif qui s'appelle le Tableau Mystère. Et en fait, c'est des photomontages que j'ai fait, des compositions à partir de captures d'écran de jeux vidéo que je monte en une seule et même image. Et vous devez deviner à quel jeu c'est. Donc, j'avais déjà expliqué précédemment les règles. Tu dois taper point d'exclamation TM, espace, suivi de ta proposition de réponse pour que je le vois dans ma coulisse bien programmée, Schmilblick. Je vois à quelle heure qui a donné telle réponse. Comme ça me permet de départager les points. Comme je vous récompense en points de chaîne dès que vous avez des bonnes réponses. Et que dire d'autre? Que il faut savoir lire bien
pas la lorgnette, l'étiquette. Il y a toujours une étiquette sur mes tableaux mystères. On y retourne rapidement pour expliquer le principe. Non, c'est pas ça, je suis en train de me planter, c'est ça. Voilà, la petite vignette là, elle est cette fois-ci dans le tableau là, elle est en bas à gauche. On voit 001-4. C'est-à-dire que c'est le tableau mystère numéro 001. C'est le tout premier là qui est sorti. Et il y a 4, ça veut dire qu'il y a 4 jeux à trouver dans le tableau. Au minimum, chaque tableau, il y a 4 jeux à trouver, mais au maximum, il peut y en avoir jusqu'à 9 dans une seule et même image. On en a déjà eu ça par le passé, et là, c'est la folie. Voilà. Donc, je précise aussi qu'actuellement, mes tableaux mystères, il y en a d'autres qui viendront dans le futur, dont sur la Mega Drive, mais ils ne sont pas encore de sortie. Là, ce sont des jeux qui sont apparus en DOS, qui sont aujourd'hui émulables, en Abandonware pour la plupart, en VirtualBox, non, en DOSBox. Voilà, sous DOS. Voilà. Vous savez tout. Donc, je reviens à ma tronche en gros plan pour faire les salutations de fin de direct. Je vais voir rapidement inspection de mon historique de chaîne pour m'assurer que j'ai salué poliment tout le monde. Bah, par exemple, Bastos qui a eu la gentillesse de me refaire un relais de chaîne, sachant qu'il a fait le débrief avec toi, mon cher FunFan, sur du catch cet après-midi. Et je me ferai un plaisir de voir la rediff en semaine. Il faut que d'ailleurs que je revoie, je fais un salut spécial à vous deux, Pop Emery Pop et Petit Seb Live. Vous m'aviez fait hier un relais de chaîne, mais vous étiez sur des jeux qui m'intéressent. Les descriptions que vous m'avez faites. Je vais y arriver. Je suis au bout de ma vie. Ça y est, c'est la fin. On ferme rideau. Je serais intéressé de voir vos rediffs. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je vous en reparle spontanément sur vos chaînes respectives ou quand vous reviendrez chez moi ou en message privé, que je vous donne mon ressenti. Là, je suis curieux de voir ce que vous avez fait vous sur vos chaînes respectives. Ça m'a intrigué. Donc, je verrai ça en semaine sur mon temps libre quand j'aurai l'occasion éventuellement de regarder en bossant en même temps si je suis devant mon écran. Enfin bref, voili voilou. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci à vous toutes et tous, évidemment, de votre présence. Merci, voilà, les anonymes, hein, comme d'hab, voilà, qui regardaient tout caché. Merci à vous d'être là. Je sais que vous êtes quelques-uns, peut-être nombreux. Hein, on n'a pas les stats, les savoirs. N'oubliez pas aussi que vous pouvez voir mes rediffs sur mon canal YouTube. Si vous avez la frustration éventuellement de vous dire j'ai loupé un épisode dans telle saga, par exemple Half-Life, là que j'ai terminé le 1, ou autre chose, allez-y. Normalement, vous loupez rien. Je mets tout bien coupé, mais brut, de mes directs sur YouTube en archive. Que dire d'autre? Voilà, n'hésitez pas aussi à hein, me contacter si vous le souhaitez. Vous avez mon adresse mail aussi, si ça vous chante. Prenez vos moyens de communication où vous souhaitez. Je me ferai toujours déjà un premier plaisir de vous lire, quoi qu'il en soit, et ensuite de vous répondre dès que j'en aurai le temps. C'est toujours une joie pour moi, sachez-le. Voilà, merci pour ta modération et tes clips, mon cher FunFan, que je vais m'amuser à remater, même ceux d'hier avec Half-Life, dans la soirée pour bien rigoler. Et je vais consacrer, là je vais offrir le relais de chaîne, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de relais de chaîne. On va aller débarquer chez l'ami Aeroster qui fait Aeterna Noctis. Oula, le jeu est même en latin d'ailleurs, je crois. Je suis pas latiniste, j'improvise, mais voilà. On va filer chez Aeroster. Prenez soin de vous. Bon courage pour la semaine pour ceux qui bossent. Bon courage pour l'ensemble de vos œuvres. Voilà. Et bisous tout plein. Merci. Merci Pommel Ripop. Bisous. Merci Petit Seb Live. Merci Tunsen. Merci Basto. Je ne sais plus qui est encore là. Est-ce que je peux voir un peu dans les contrôles radar? Voilà. J'ai tellement de fantômes ce soir que j'arrive même pas à voir qui est là en vrai ou pas. Enfin, c'est pas... Prenez Se soin de dit vous. oui, C'est. ça veut dire nuit éternelle en latin. Merci, nuit éternelle, Aeterna Noctis, merci pour l'info. Allez, je vous laisse auprès d'Aeroster, excellent animateur comme on le connaît. D'ailleurs, FunFan, on te retrouvera sur ta chaîne en semaine, tu diffuses surtout toi aussi le soir, 21h minuit, mais ça peut t'arriver de faire aussi dans les après-midi. Et le grand épisode qu'on attend, c'est la fin du second DLC, épisode additionnel dans Resident Evil 5, Biohazard 5, avec Aerostar que tu feras mardi à partir de 14h sur l'antenne d'Aerostar. Un dernier mot, FunFan? Bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. C'est ça, t'as tout dit, merci. Ciao les copains, allez on file chez lui.
Il y a en ce moment à la Paris Games Week. Non, je dis pas. Normal que je t'entende plus. Attends, je coupe mon enregistrement. Excuse-moi, j'ai pas encore.